Sixième épisode avec l'espace déclic. Art, fine art, c'est parce qu'il y a de l'exposition de photos, de peintures et de reproductions d'images. C'est bien pour ça qu'on a eu l'idée d'inventer une histoire de la photographie. Les cinq épisodes précédents se retrouvent sur la chaîne. Il suffit de s'abonner ou de cliquer sur la petite cloche. Je m'appelle Franck Senot, je suis prof d'histoire de l'art et des images. Et sur la chaîne Préfiguration, l'association à laquelle j'appartiens, on fait aussi des tas d'histoires. De l'art, du street art et d'autres choses encore. Le sixième épisode, c'est comment les petits morceaux sont là. J'aime bien, moi, ne pas avoir de PowerPoint, alors il y a des gens qui n'aiment pas ça. Nous allons reparler de tourisme et de ce développement du tourisme au 19e siècle, et surtout de Alfred Steglitz, à qui j'attribue, c'est pas rien, l'invention de la photographie moderne. On va voir que ce n'est pas tout à fait le cas, mais on va voir en tout cas qu'au bout du sixième épisode, on va pouvoir commencer à parler de la photographie comme un art, et avec les revues Photo Sécession que va créer Stieglitz et Camera Work, revue est au milieu, on va voir que la reconnaissance comme un art, c'est la qualité de l'image, mais c'est aussi la façon dont tout ce qui est autour de l'image va s'organiser, des revues qu'il diffuse, des galeries, des façons de les encadrer, les prix, et tout l'ensemble de ce fine art, si on peut le dire comme ça. Mais à l'autre bout, ce qui fait une histoire de l'art et des images aujourd'hui et qui est un peu particulière, parce que vous avez peut-être lu des choses avant et l'histoire de l'art a évolué beaucoup, c'est qu'on s'intéresse à la diffusion des images. Et c'est pour ça que je vais revenir non pas en arrière, voilà la bibliographie. Si vous pouvez faire une capture, parce que ce sont tous les livres, vous pouvez faire une capture d'écran. Je vais parler de Samuel Burn, de Stieglitz et de Camera Work. Ça, c'est en allemand, c'est pour les pervers, celui qui a inventé la photographie couleur. On en parlera dans un mois ou deux, parce que je parlerai début juillet et fin août. Et puis, on va parler de gens qui sont peu connus, qui vont développer à la moitié du 19e siècle le tourisme en images, si on peut le dire comme ça, Samuel Burn, William Englands, les frères Fratelli. Et dans la partie moderne, Georgia O'Keeffe, Alfred Stieglitz, Station, j'ai pas mis de livre, et surtout Edward Weston qui sera notre sujet dedans deux fois. Aujourd'hui, ce qu'on va regarder, c'est comment, en remontant dans notre invention de la photographie, on a vu qu'il y avait des machines qui captent le monde extérieur avec un temps de pose qui s'améliore, des sensibilités de la plaque, puis de papier qui vont pouvoir, avec un tirage direct d'un papier sur l'autre, faire évoluer ces. Un négatif sur verre au collodion humide qui nous aide à prendre l'image plus vite. Et c'est ce qui fait qu'on va pouvoir aller dehors, capter des choses avec moins de sensibilité de lumière. Tout le procédé technique s'est amélioré. On l'a regardé dans les cinq épisodes et notamment dans le dernier. Mais l'autre chose qui m'intéresse, c'est de regarder comment, des choses qui longtemps n'ont pas appartenu à un art reconnu comme un art, c'est-à-dire quelque chose d'un peu noble. Déjà parlé des cartes postales et de leur diffusion. Et aujourd'hui, avec cet enjeu de tourisme, je voudrais voir comment la photographie va diffuser une sorte d'image du monde. Et on va voir l'Inde, ah ouais, c'est comme ça, on a envie d'y aller, qui correspond exactement au 19e siècle et au développement du tourisme, au développement presque industriel du tourisme. Et on va voir qu'à l'intérieur des photos de William England, il y a à la fois quelque chose de très bucolique, d'un paysage, on dit pittoresque, c'est-à-dire qui est digne d'être peint. La photographie va beaucoup copier. Le monde de la peinture, mais aussi discrètement va s'intégrer dans ces images des choses beaucoup plus techniques. Un petit aparté qui a l'air assez mignon, Charles Weston, en 1832, c'est pour ça que je remonte toujours en amont, Alfred Stieglitz, ça va être 1900-1907, on y vient juste après, dans la deuxième et troisième partie. Charles Weston, il invente un système stéréoscopique, c'est-à-dire vous mettez votre nez ici, un œil là, un œil là. Il y a une photo ici, que voilà, et vous voyez Charles Weston en relief. Ce système de reproduction, enfin plus que de reproduction, puisque c'est dans la façon de prendre la photo, on va le retrouver aussi chez David Brewster, qui est écossais et qui perfectionne ce système en 1849. Un petit système qui ressemble à des jumelles, et je n'ai pas pu m'empêcher de me souvenir de ça, que vous avez peut-être connu dans les années 50-60, c'était qui existe toujours, hein, il y a toujours des petits gadgets de cette façon-là.
comment l'image peut paraître, peut tromper l'œil, puisqu'il s'agit d'une convention, une photo. Ce n'est pas seulement un enregistrement, il y a un cadre. Et il suffirait de s'intéresser à ce qui est en train de se développer énormément en ce moment même, la photo à 360 degrés, c'est-à-dire avec quelque chose qui peut vous entourer complètement, un peu comme vous avez pu le voir à la Villette ou au Futuroscope de Poitiers. Cette idée d'une image immersive, elle se retrouve dans ce sujet de la stéréoscopie. On peut avoir la tromperie qui fait qu'on croit que l'objet est en volume. On l'a aussi dans les petits. Ça y est, le nom m'échappe. On dirait que l'objet est en relief ou en volume et qui flotte dans l'air. Ce développement par la technique entraîne des tas de recherches, mais ce qui est intéressant, c'est que quand on parle de la photographie comme un art, on n'a pas l'idée d'aller forcément du côté du gadget, si on peut le dire comme ça, ou du côté de la prouesse technique qui va faire que ça se vende. Et une histoire de la photo, elle ne peut être complète qu'avec ses trois jambes. Si on peut la comparer à l'histoire du cinéma, vous vous rappelez de la citation célèbre de Malraux, le cinéma est aussi une industrie, c'est-à-dire quelque chose qui cherche techniquement pour commercer avec l'ensemble. Et voilà pourquoi notre William Englund va se retrouver au sein de cette Binocular Picture de la London Stereoscopic Company. Il va participer à ses recherches pour développer de plus en plus cette idée de vue stéréoscopique. Mais William Englund, il va en Suisse et il va surtout être connu pour, puisque ce 19e siècle, c'est la colonisation dans le monde entier, c'est-à-dire d'aller dans d'autres pays, plutôt piquer des ressources et puis appuyer cette révolution industrielle. On peut le dire de cette façon-là sans que ça énerve qui que ce soit. On sait très bien que cette révolution industrielle s'appuie sur une récolte de ressources énormes qui sont volées et que compréhension du développement industriel, qui est le grand récit qu'on nous a appris jusqu'à il y a peu, ne peut se faire que dans un rapport colonial, et c'est comme ça qu'on peut relire l'histoire de plus en plus. Et c'est ce qui fait que cette vision du monde, qui va être plus ou moins exotique, ce terme exotique qui serait à discuter aussi, on en a déjà parlé, il va être transporté, chargé, diffusé par les images. C'est un peu vite fait pour dire que William Englund fait aussi de la photo stéréoscopique, qui est repeinte à la main. On est dans un procédé qui est technique, la prise de vue, le tirage, la diffusion va être aussi automatique, et même si ce n'est pas à la main, il s'agit de trouver un marché différent. J'ai mis le petit nom de William Englund parce que William Englund, il fait partie donc de cette expansion du 19e siècle, à la fois expansion coloniale, succès technique, exploration. Et puis, regard de l'Occident sur le monde extérieur. Si on a quelque chose à en tirer, si on sort de cet exotisme, c'est aussi pour regarder comment on regardait. Et ça, c'est plutôt intéressant. Alors, on va le regarder sur les images de William Englund, parce qu'il montre à la fois le Capitole en train d'être construit, donc il nous montre des choses qui. Ce que je voudrais montrer avec ces photos, c'est qu'elles ont deux intérêts très forts. En fait. Elles ont quelque chose qu'on avait jusqu'à il n'y a pas longtemps. Un témoignage historique, comment ça s'est passé, comment on construisait, comment on était habillé, comment on vivait, à quoi ressemblaient les paysages. Ici, on est au Canada, puisque William Englund va faire beaucoup, beaucoup d'images autour de ça, États-Unis et Canada. Il est envoyé la plupart du temps par des sociétés savantes, comme des missions ou avec. Des recommandations d'État, mais il va aussi être un de ceux qui aura le plus de succès dans la diffusion de l'ensemble. Quand on regarde comment les images sont faites, il s'agit de montrer à la fois l'immensité du paysage, la beauté de ce paysage, puisqu'on voit l'ensemble, qui est à chaque fois, petit détail, quand on regarde les images, il y a des personnages qui servent un peu de mesure, finalement, pour qu'on découvre à quel point c'est splendide et exceptionnel. On entend presque le bruit de l'eau assez facilement. Avec tout un tas de difficultés techniques qui ont été résolues, c'est-à-dire comment faire le point, comment arriver à avoir. On est en 1850-1859, hein, c'est quand même très très tôt, 1830, les débuts de la photo. C'est pour ça que je voulais revenir sur ça, c'est que la technique qui permet de faire des images dans des lieux différents, on a vu le développement du portrait, on a vu le développement de la nature morte, et sa diffusion va être dès 1850 très très importante.
Et je dis ça parce que souvent on me parle, en prof d'histoire de l'art, que l'impressionnisme 1870 aurait rapport avec l'histoire de la photo. L'histoire de la photo, c'est bien plus tôt, comme l'histoire de la bande dessinée qui naît à peu près dans ces années-là, d'ailleurs dans les années 1830. On pourrait regarder ces images non plus avec ce regard ancien du témoignage, en fait, de quelque chose qui était très grand, qui nous dépasse, et puis. Voilà, les célèbres chutes du Niagara, qui va devenir, hein, le terme aujourd'hui est un peu systématique, iconique, c'est-à-dire comment une image devient une icône, comment elle devient une espèce de symbole. Elle se fait à chaque fois sur les photos de William England, si on regarde bien, avec un ciel qui est assez clair, qui détaille l'ensemble, qui fait une espèce de découpe, plusieurs plans moyens, qui permettent d'avoir un arrière-plan qui se découpe sur ce ciel, qui permettent de découper des éléments d'intérêt qui sont plutôt situés au milieu, et puis une échelle de personnages avec un élément au premier plan dont le grain participe à l'ambiance. Vous voyez, on voit toutes les nuances de l'ensemble. On est sur papier albuminé d'après négatif sur verre au collodion humide, c'est-à-dire le système dont on a parlé la dernière fois. Alors, ce qui m'intéresse, mis à part cet inventaire du monde américain des années 1850, 1900, si on veut dire ça comme ça, qui va participer à un imaginaire du far loin ouest, et pas qu'un peu, hein, en Europe, dans la partie occidentale, c'est-à-dire le monde lointain. Il suffit de lire Sandrart, c'est l'or, c'est le truc à conquérir, il faut tous partir là-bas, tous se rendre là-bas. On le retrouve pas mal, je trouve. Il était une fois en Amérique de Sergio Leone, qui montre que c'est assez complexe, en fait, ce rapport de migrants qui va conquérir quelque chose, se retrouver les uns par rapport aux autres. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que, et c'est là où il y a un petit glissement de ce lointain qu'on ne connaît pas à quelque chose qu'on connaît très bien, c'est que dans ces images, assez souvent, il y a un élément technique, un élément industriel qui correspond bien à ce développement. Du monde par la disparition de la voiture à cheval qui nous amène vers la modernité. Que voici. Le monde que prend William England en photo est à la fois celui de la ville qui est en train d'arriver, et on a un rapport très direct entre la photo moderne et la ville, ne serait-ce que l'ambiance différente urbaine. Ça paraît bizarre, mais enfin, des villes, il en existe depuis. Des milliers d'années. Uruk, c'est quand même au moins 4000, si je ne dis pas de bêtises, avant notre ère. Par contre, ce qui est particulier à ces villes américaines, c'est qu'elles commencent, ici c'est mélangé, à perdre les repères européens, toits inclinés, fenêtres, pour aller vers quelque chose qui est vraiment une architecture qu'on va appeler moderne après, c'est-à-dire. Tout à plat et système de reproduction industrielle, c'est-à-dire de préfabrication, pas encore tout à fait le cas là, mais ça va arriver. Ce qui fait que dans les images de William England, il est mélangé, avec toujours des humains, quelque chose de bucolique, quelque chose de cet ouest lointain, quelque chose de ce monde industriel qui est en train d'arriver, qui est en train de se développer et qui montre la puissance industrielle de ces États-Unis. Qui fait que depuis une photo de tourisme qui va se diffuser par des cartes, par des reproductions, on glisse doucement, et ça c'est notre regard d'aujourd'hui, vers quelque chose qui est une observation de ce monde moderne qui fait envie et qui, sans s'en rendre compte, plus ou moins consciemment, vend une modernité fascinante, qui va donner envie à tous les photographes du monde entier, encore aujourd'hui, d'aller à New York pour faire des photos. Là, on voit le dépôt de Clifton au Canada, ce qui fait toute une série au Canada. On voit des Indiens vraisemblablement à côté des chutes du Niagara, donc des gens qui n'entrent pas habituellement dans l'histoire de la peinture ou de l'art. Le témoignage, l'enregistrement de toutes ces images par William England fait qu'on voit la vie qui est en train de s'accélérer, qui est en train de changer, et qui mélange ce passé et ce moderne d'une façon extraordinaire. Un premier chef-d'œuvre, on est en 1841, c'est écrit en haut à gauche, près du pont de Rochester, qui est détruit depuis. Notre premier plan, avec des tas de nuances de gris, des personnages qui donnent notre échelle,
des fondus merveilleux, flous, qui donnent une matière qui est différente. Un premier pont comme une belle arête vertébrale de poisson. Et puis un pont qui se détache derrière. On a quelque chose qui vient de l'histoire de la peinture, des plans, mais quelque chose qui, par le sujet déjà, est dans le monde industriel, assez peu représenté en peinture dans ces années 1840-1850. J'ai oublié de vous dire une chose tout à fait passionnante, je suis passé un peu vite, c'est que au-dessus de ces chutes du Niagara, le célèbre funambule Blondin va traverser les chutes du Niagara. Il est admiré par ces centaines et milliers de personnes qui sont venues s'agglutiner parce que c'est un peu haut. Cette photo-ci, c'est écrit là, il en vendra 100 000 exemplaires. C'est-à-dire qu'on est déjà en 1850 dans un système qui ressemble à j'allais dire, au nôtre. Ben, presque plus, parce que la photo est redevenue rare. Vous faites des photos avec votre téléphone et puis vous retournez dans une borne au studio Déclic, les faire tirer pour qu'elles redeviennent en papier. Sinon, vous avez des milliers de photos dans votre ordi, vous ne les regardez plus. On est allé dans quelque chose qui redevient une rareté et un rapport à l'image qui est très, très individuel. On peut faire des tirages. Et cette matérialité, on est en train de la redésirer parce que ce monde virtuel d'images avec des grandes quantités d'images nous fait nous éloigner de ces images-là. On est presque à l'autre bout de l'histoire que je suis en train de conter là, c'est-à-dire des images uniques faites à un point de vue par un opérateur dont on a souvent perdu le nom, mais ici c'est signé et c'est diffusé, dans des très très grosses quantités qui témoignent d'un intérêt pour ce nouveau médium. Ce nouveau médium, j'essaye de le montrer autrement que juste comme une invention technique, même si là, il s'agit d'une prouesse. J'aime bien celle-ci puisqu'on est dans les montagnes américaines et on a un petit peintre qui est en train, un urban sketcher au fin fond de la nature, qui nous donne une échelle, mais qui est en train finalement, quand on regarde les images, puisque en fait c'est ça que j'essaye de faire, j'essaye de raconter une histoire chronologique qui ne s'arrête pas que sur les éléments techniques, qui, je vous dis, parle de la diffusion des images, qui parle des auteurs les plus connus, même si dans les débuts, on n'a pas encore cette notion d'auteur, elle est arrivée tout doucement avec Nadar, et on va le voir aujourd'hui avec Stieglitz, particulièrement. Mais aussi regarder les images, en fait, je parle d'histoire de l'art et des images, c'est parce que les images nous racontent quelque chose, en fait. Qu'ils mettent un petit peintre ici, c'est pas seulement pour mettre une échelle avec un petit bonhomme, c'est une sorte d'histoire de l'art qui est en train de tourner. On a quelque chose comme cette immensité. Je vous ai dit, pittoresque, c'est digne d'être peinte. Donc, ici, dans n'importe quel endroit, il y a toujours un mec en train de dessiner. On est toujours là. Et puis, ben, il y a maintenant quelque chose de nouveau, c'est que le type en train de dessiner avec son petit chevalet de campagne, il a derrière lui un photographe qui est en train de peindre l'ensemble. Il lui faut des droits d'auteur. On est dans l'immensité de la nature, on est dans une nature qui est assez sauvage, hein, qui est assez peu structurée. On se demande comment se fait-il qu'il y ait un petit peintre à ce moment-là. Et c'est cette échelle-là qui montre qu'on bascule d'un monde du tourisme, de la représentation du monde qui est assez bucolique, on pourrait dire presque comme le veulent les gens qui vont acheter toutes ces images, ils veulent de l'authentique. Si vous me permettez le jeu de mots un peu minable, c'est de l'authentoque. C'est-à-dire des images venues de pays lointains qui racontent une histoire de quelque chose de lointain. Et ce lointain est d'autant plus opérant qu'il est différent de moi. Voilà, c'est ce décalage par rapport à mon propre regard qui va me faire avoir un écho avec l'image. Ici, le muséum de Barnum. Toujours William England, j'en ai mis beaucoup parce qu'on les trouve sur Internet assez facilement et elles sont à la fois quelque chose comme un témoignage historique, mais je le redis, une sorte de façon de voir que ce goût pour les images de l'ailleurs qui se développe avec cette société industrielle qui peut aller ailleurs, qui deuxièmement techniquement peut prendre des photos de ces lointains et qui peut troisièmement rapporter ces photos du lointain pour témoigner et diffuser. Mais dans ce lointain, organisé industriellement, elle raconte deux choses. C'est-à-dire, nous allons vous proposer une lecture du monde, nous allons vous montrer comment est le monde,
Et ce monde est en train d'être rempli d'éléments industriels, de la construction humaine et de son génie. Un génie qui est tout à fait géométrique. C'est-à-dire que le contraste, la plupart du temps, se voit par les matériaux qui sont employés, qui sont par l'industrie. On est dans la deuxième révolution industrielle, on n'est plus sur du bois, on est sur du métal, sur de l'acier, sur des éléments comme ça. Et puis par la géométrie du système de construction et de fabrication. Si on en prend une dernière de William England, là on est sur le toit du pont Victoria de Montréal. On est toujours avec des éléments qui sont presque, je vais exagérer pour résumer ce que je viens de dire, j'ai l'impression de répéter tout le temps la même chose, avant, aujourd'hui. On est sur une construction qui est exactement picturale pour que tout soit lisible, avec un premier plan qui souvent, vous l'avez peut-être remarqué, est en angle. On n'a pas trop quelque chose qui est une barre, plus une barre, plus une barre. On n'est pas très abstrait. On est dans une dynamique qui fait que les points d'intérêt, ils sont sur le côté ici, comme un Z. Ils repartent sur le côté ici, ils repartent sur le côté ici. On a quelque chose qui permet d'avoir une lecture à plusieurs vitesses. Ce qui est fabuleux ici, c'est que ben, on a tout résumé dans ce chef-d'œuvre de William England. On est ce pont suspendu des chutes du Niagara, on les aperçoit dans le fond. On a résumé tout ce que je viens de vous raconter. Les personnages à l'arrêt, le paysage en contrebas et toute sa matière. Mais les deux moyens de construction, le cheval et la carriole, et comme dirait l'autre, ceci tuera cela. Le demain. On est dans des images touristiques, mais qui contiennent des informations beaucoup plus que du simple tourisme. Voilà ce que dit le Flammarion que j'utilise assez souvent, l'histoire de la photo. Missionnés par des éditeurs, des gouvernements ou des sociétés savantes, les premiers photographes voyageurs s'adressent à un public avide de scènes authentiques. Le grand tour menait traditionnellement les jeunes gens aisés à parachever leur éducation. C'est les gens qui avaient les moyens faisaient un tour d'Europe ou du monde pour apprendre du monde. Et c'est le moment de la naissance du tourisme. C'est vraiment, c'est pas vieux le tourisme. À une époque, on voyage, ça va nous revenir. Hein. Si vous êtes inquiet sur l'avenir, on va voyager lentement. Et s'il faut 2 mois pour descendre en Italie à cheval, eh ben, on y reste très longtemps. Et on n'y va qu'une fois dans sa vie. Ça va revenir doucement, mais ce n'est pas très grave. Rassurez-vous, le grand tour, invitation au voyage, à l'origine du tourisme moderne en chambre ou sur le terrain, le succès des vues de pays lointains entraîne la création d'ateliers commerciaux produisant et diffusant des images de voyage. Les grands ateliers envoient des équipes accomplir un travail de commande et l'image photographique devient un produit standardisé. Toujours le William England, quand on en prend des exemples, voilà pourquoi aller voir les photos en vrai est tout aussi important. Et quand il est un peu gris ou tiré un peu plus bistre, j'avoue que je demanderai l'avis de Nassib Trabulsi parce que. Il veut jamais causer, hein. C'est un mec de l'image, c'est pas un mec de la parole, mais ça c'est un peu plus noir, un peu plus fort. La dynamique noir-blanc, elle fait bien ressortir le train, ça donne quelque chose d'un peu graphique lisible. Ici c'est plus doux, ici c'est plus subtil avec plus de nuances. Je saurais pas dire, lui saurait, mais si la couleur adoucit l'ensemble, on verrait. Quand on prend d'autres exemples, et j'en finis avec cette première partie, voilà l'entreprise photographique italienne Alinari Frères. Les voici, c'est pour ça que j'ai mis leur petit nom, présente son catalogue de vues Fratelli Alinari de Florence, des vues de Pise, des vues de Florence, des vues de Sienne, et il les montre à l'exposition universelle de Paris 1855. J'insiste sur le fait qu'on va arriver en 1900, mais on aurait pu arriver un peu trop vite en un sens. Alors, le mois prochain, début juillet, je parlerai d'une autre dimension qui fait partie de cette histoire de la photo et de cet imaginaire de la photo. C'est ça qu'on déconstruit finalement. On a une idée de ce qu'est la photo et on ne se rend pas compte que la carte postale compte dans l'histoire de la photo, que l'élément technique compte dans l'histoire de la photo, qu'il ne s'agit pas de voir une histoire de la photo par les auteurs et par juste une signature et un style. Leur diffusion compte autant et l'idée de l'instantané, c'est ce que je regarderai le mois prochain, compte également. Un autre encore qui s'appelle Francis Friss, Voyage au Moyen-Orient. Le voici, 1856, c'est vraiment très tôt.
Il fonde son entreprise de photographie grâce aux images collectées. C'est-à-dire, il va montrer des images du Moyen-Orient, on en a un peu parlé, est associé à la Bible. On a un Orient qui est un peu flottant sur les localisations touristiques. Voilà Francis Frist lui-même, qui va, ici les Italiens, d'autres Anglais. Samuel Bourne fait des photos en Inde, 1863, publié dans le British Journal et Photographie. Photographe commercial réputé, donc vous voyez, image de l'Inde coloniale, se lance dans de dangereuses expéditions accompagnées de nombreux serviteurs chargés de matériel encombrant pour obtenir des vues comme la nouvelle route près de Rogy, que voici. Là, on a un autre imaginaire qui est entre Tintin et Indiana Jones, c'est-à-dire le photographe qui défie tous les dangers avec un matériel qui s'est allégé, mais qui est quand même encore très complexe. Vous vous rappelez peut-être que les plaques de collodion, il faut les préparer très vite et les révéler très vite. On a une trentaine de minutes avant et après la photo, qu'il ne faut pas traîner. Et on a quelque chose, si je parlais de Tintin, on a presque la couverture de Tintin au Tibet, une sorte d'imaginaire d'un monde lointain qui est tout à fait prodigieux, qu'il soit très rempli d'humains, si différents de nous, ou très vide. Francis Frith est anglais. Samuel Bourne est anglais aussi. Première vue authentique de l'Himalaya. L'apparition de l'appareil Kodak, ce sera le mois prochain, plus maniable, dans les années 1880, marque le début de la photographie populaire. Ici, on est encore dans un système industriel qui va diffuser beaucoup d'images. Ça, c'était la première partie. Cette diffusion populaire, je vais avoir l'air de prendre un biais, mais je vais vous parler d'Alfred Stieglitz et de ce pourquoi, dans le Mondo, il va accompagner la naissance de la photographie moderne. Et qu'est-ce que c'est que la photographie moderne? Déjà, une petite publicité pour rappeler, je viens de le faire beaucoup, mais que le principe d'acheter des plaques, de devenir les nouveaux touristes de la photographie amateur en extérieur, ben, c'est pas cher, ça s'achète. Ça, c'est mon conseil au studio Déclic. Faites des petits kits, devenez des reporters et on s'occupe du reste. Comme dirait Kodak, pressez le bouton, nous faisons le reste, ce qui est quand même un allègement, puisque vous comprenez que la simplification technique n'empêche des connaissances plutôt scientifiques, chimiques qui sont nécessaires. Il n'empêche qu'en 1850, les photos du monde se développent dans tous les pays. Ici, ce qui m'intéresse de montrer, j'ai montré le Grand Ouest avec William England à dessin, c'est que on pourrait presque dire que la photographie va changer de continent. Elle va tout doucement se retrouver aux États-Unis. En 1904, Alfred Horsley Hinton, éditeur du magazine anglais Amateur Photographer, Amateur Photographer, écrit 1904, je suis en 1880. La photographie américaine est en passe de donner désormais le ton au monde entier. De fait, les clichés de la photo sécession, c'est le magazine que Stieglitz va créer, ont d'ores et déjà conquis le premier rang dans l'estime du monde civilisé. C'est Stieglitz qui fait les contrats, réunit les œuvres, se charge de les en renvoyer. Son influence est assurément considérable. C'est aujourd'hui un homme extrêmement tendu, d'une énergie infatigable et rigoureux dans ses idées. Alfred Stieglitz, le voilà tout jeune. Il va venir en Europe, il va étudier la chimie, découvrir des choses sur ce monde de la photographie et notamment du monde de la photographie couleur qu'on va voir sur des petits détails. Il est moins connu pour ça. Mais cet intérêt, curiosité pour la photographie va devenir une passion, puis devenir une obsession. Et ce qui m'intéresse de montrer, je peux le dire simplement, en fait, pour vous donner le plan de cette deuxième et troisième partie sur en quoi Stieglitz invente la photographie moderne. Voici en quoi c'est le cas. Il va inventer ce magazine qui s'appelle Photo Sécession. Il va être encore rattaché dans les images à une photographie pictorialiste, c'est-à-dire qui ressemble beaucoup à de la photo, à de la peinture impressionniste. On va le regarder. Puis, il va créer une seconde revue qui s'appelle Camera Work. Et c'est ce pourquoi c'est important qu'il y ait cette deuxième partie, qui s'appelle 3 ici. C'est que par la diffusion des images, par la diffusion en galerie, par la diffusion en qualité d'images de revues qui coûtent très cher,
par le commissariat d'exposition le choix de telle ou telle œuvre, par la diffusion en photo des reproductions d'œuvres d'art moderne, il va diffuser cette idée que la photo est un art et que l'art moderne peut influencer la photographie. Troisième et dernière étape, c'est l'image qu'on voit ici. Cette conception nouvelle au contact des artistes modernes, on va dire Rodin, Brancusi, Picasso, Braque, va transformer sa photo et va la rendre de plus en plus, si j'y vais très simplement, géométrique, en accompagnant le développement de New York, qui dans ces années 1880 à 1920 explose en hauteur. On est reparti. Voici notre jeune Stieglitz, 1864 sa naissance, 1946. 86, une trentaine, un peu plus, 35. Le voici donc en Europe en train de rencontrer des chimistes et de développer sa sensibilité à la photographie et de rapporter cette idée aux États-Unis. Là, une photo qu'il fait en 1887, c'est à la fois une prise de vue en Italie, c'est la dernière blague, Last Joke, qui était un petit chef-d'œuvre pour lequel, dans les années 1902-3, dans un club de photo amateur, club photo amateur, c'est quelque chose d'un peu noble, un peu chic dans ces années 1890-1900. Vous avez vu, les publicités permettent de pratiquer la photographie, mais c'est quand même pas. Alors, c'est populaire, c'est répandu, mais pas populaire au sens classe populaire. Voilà, en faisant cette image, si on la regarde bien, c'est intéressant parce qu'elle est à la fois un instantané, on est en train de rigoler comme des petites baleines, elle est aussi composée, elle pourrait être une peinture de ces années 1880, si vous voyez au musée d'Orsay, Bastien Lepage, Rosa Bonheur, des peintres de la vie paysanne qui composent, à la suite, entre guillemets, de Courbet. Courbet ne ferait pas des petits trucs rigolos comme ça, mais des personnages qui, du premier plan qui est tourné, se retournent vers nous comme une connivence avec le preneur de vue, puis les autres qui regardent ce qui se passe. C'est sans doute d'ici qu'est partie la blague entre les deux. Et puis, depuis le côté gauche, passe vers le côté droit, l'éclat de rire, et puis repart sur le fond. On a des éléments dans le fond qui nous permettent d'identifier à peu près où on se trouve, dans quel pays, dans quelle ville. On a une composition qui est finalement assez classique, qui est classique dans le sens où elle est inspirée directement de la peinture. Les images et la façon dont sont construites les images ici font penser à une peinture. Retenez bien ça parce que vous allez voir qu'il y a un changement énorme. En 1890, le Stieglitz revient de Berlin et de l'Allemagne en général aux États-Unis. Il va reprendre la compagnie du photochrome graveur de 1890 à 1895. C'est pas un très bon. Il n'est pas très doué en affaires, donc il va faire des choses très dispendieuses qui vont lui faire perdre beaucoup d'argent. Il va transformer cette Heliochrome, pardon, Engraving Company en Photochrome Engraving Company, avec, on le voit même, on le devine sur la qualité du papier, une façon de reproduire des photographies très, très riches, très, très raffinées, très coûteuses aussi. Et participer donc à la diffusion de cet art de la photographie qui est né. Si on prend, si on prend un peu de recul, j'ai dit dans la conférence numéro 4 que déjà Nadar faisait de la photographie un art. Il a un atelier, il devient réputé, les gens les plus célèbres viennent jusqu'à lui. Mais ce qui faisait qu'on parlait d'un art, c'est que dans la façon de cadrer, dans la simplicité des objets, des outils, un fond neutre, un éclairage unique. Les mains qui interviennent dans la composition, le cadrage assez haut, on avait quelque chose qui commençait à être propre au vocabulaire de la photo. Ce qui est intéressant chez Stieglitz, c'est qu'il va partir du monde des peintures, partir du vocabulaire de la peinture, et tout doucement glisser vers le pictorialisme, c'est-à-dire la photographie imitation peinture, et aller vers une photo qu'on va appeler pure, qui est proche de l'abstraction. Qui joue beaucoup plus, si je devais faire une explication la plus simple possible. On a du flou d'un côté, du net de l'autre. Je vais prendre la photo peinture, si vous me permettez ce raccourci, la photo pure, des sujets très reconnaissables, des sujets presque abstraits. À la fin de sa vie, des bâtiments, des nuages, de l'herbe, des anecdotes, la photo pure forme.
des dégradés, des netetés avec des points forts de contraste. Un jeu avec l'histoire de la peinture dans la façon de composer, dans la façon de rendre les images. Une séparation de la peinture complètement, qui fait qu'on peut l'appeler créateur de la photo moderne. Ici, on est encore, on est en 1901. Ce n'est pas une photo de... une photo d'Alvin Langdon Coburn, mais elle est publiée dans ce petit... on est à Paris. Dans ce petit Photochrome Engraving Company. Ce qui me permet d'expliquer ça simplement, c'est que si vous regardez bien le magazine, à tout point de vue, il va y diffuser une de ses photos, il va diffuser beaucoup de ses photos lui, quand il dirige ce magazine. Hein, une gravure en photochrome. Ben, si vous regardez cette couverture, on est encore dans le monde de la peinture, à tout point de vue. Que ce soit parce que ce dessin fait penser, on est en 1890-1900, à cet art nouveau qui est en train d'arriver, qui a déjà commencé. Le style nouveau, art nouveau, c'est 1900. Il a déjà commencé un peu en Belgique. Et puis, si on veut y aller simplement, mais en étant précis, il a commencé à, sans appeler art nouveau, en Angleterre, dans ces années 1880-1890. Un art qui cherche à faire une séparation avec le mouvement moderne en valorisant l'artisanat, en valorisant la décoration, en valorisant le savoir-faire. Ce qui est à l'œuvre dans cette image. On a une dame qui peint un décor à la main. Cette image-là est une peinture elle-même. Et on trouve dedans des photographies qui sont nouvelles, mais qui font penser à de la peinture. Vous allez me dire à des chromos un peu ringards. Oui, mais c'est ça aussi la photo et l'histoire de la photographie. Et c'est ça aussi, à mon sens de prof d'histoire de l'art, une histoire de la peinture. Il faut qu'on intègre non plus une histoire que par les novateurs, mais une histoire des images qui circulent pour voir qu'est-ce qu'aiment les gens au moment où ça arrive. Et quel est le... pourquoi je propose ça? Parce que le contraste avec ce qui est nouveau est beaucoup plus flagrant. Si on se dit que quand on fait ça, Munch peint le cri, on comprend que ça fasse crier ceux qui regardent le tableau de Munch. C'est un peu fort. C'est pour ça que je suis rose sur fond jaune. Voilà, encore, c'est pas une photo. On est encore en photochrome reproduit dans ce même magazine. Et on a dans le graphisme, dans la façon de mélanger le fond et le costume, dans la posture de profil de la femme, tous les éléments qu'on retrouve dans l'art nouveau, et dans cet art décoratif qui, en Angleterre, c'est Beardsley, c'est Mucha en France, vous connaîtriez sans doute, même si c'est un poil plus tardif, Klimt, qui est de ce même type d'image. Mais ce qui m'intéressait aussi, c'est la typo qui est sur le côté. Elle est verticale, elle a un type d'écriture qui a l'air d'être fait à la main, alors qu'elle est tout à fait reproduite. Et elle est très difficile à lire, puisqu'elle est de haut jusqu'en bas, mais elle est là aussi pour donner une espèce de cachet artistique, par cette écriture, par ce jeu de décadrage, par ce format. Voilà, Stieglitz va écrire dans l'American Amateur Photographer, qui va, là aussi, comment est-ce que la photographie est reconnue comme un art? Parce qu'il y a des gens qui écrivent dessus. Il y a des gens qui commencent à dire, c'est pas juste des petites images avec un funambule qui est diffusé à 100 000 exemplaires, c'est un truc sérieux. Ça, c'est un petit, vous allez dire, je cause pour ma paroisse, mais c'est un petit aparté pour le fait qu'on a toujours besoin d'un télo, contrairement à ce qu'on en pense, on croit toujours qu'ils racontent n'importe quoi et qu'ils nous emmerdent avec leur truc. C'est eux aussi qui vont sentir, pressentir le sérieux de telle ou telle chose et qui surtout vont essayer de mettre des mots dessus, c'est ça leur boulot d'intello. L'American Amateur Photographer, on voit bien que c'est une revue d'amateurs mais éclairée, comme sont ceux qui aiment les choses, dans le mot amateur il y a ça. Et voici les photographies de Stieglitz. On pourrait dans la composition être proche d'un caillebotte et on est dans les mêmes années. Le caillebotte qui peint la partie de billard ailleurs dans sa maison, dans son casin, on n'est pas loin d'une composition comme celle-là. Ce qu'on a de particulier qui pourrait être vu comme proche de la gravure, cette espèce de flou enrobé qu'on n'a pas du tout chez caillebotte, s'il y a bien quelqu'un qui, de ce point de vue-là, n'est pas dans un impressionnisme comme on l'imagine, c'est-à-dire un fractionnement de la touche qui va donner une suggestion de vibration de lumière, ce n'est pas le cas de caillebotte, c'est très net. Il y a plusieurs impressionnismes, si on peut dire ça comme ça. J'ai raconté ça pas mal dans plein d'émissions sur YouTube.
mais aussi un intérêt pour la lumière. Une façon de cadrer, on a un élément qui part sur la gauche, un élément qui regarde dehors, mais surtout un contraste de lumière très fort qui attire l'attention dans l'image. On a d'éclairs ici, et donc l'image est presque coupée en deux. On a un côté où la dame qui joue, et puis de l'autre, le monsieur qui s'en fout, ce qu'il est en train de perdre vraisemblablement. Non, je plaisante. Et il est en train de regarder dehors, elle est en train de faire quelque chose qu'on ne voit pas complètement. Il y a peut-être un autre joueur sur le côté. On a une image qui est coupée en deux. L'unité se fait par la lumière. C'est une lumière qui est très puissante sur ses pieds et sur le sol, et puis qui se diffuse sur son dos à elle et qui vient rapporter un élément de clarté sur son bras, puis sur les boules de billard. Les images de Stieglitz vont s'intéresser de plus en plus à cette qualité de lumière quand il revient aux États-Unis dans ces années 1890. Et aussi acheter un appareil photo que je vais vous montrer après, qui est beaucoup plus sensible à la lumière, qui va permettre de faire des images. Alors, c'est la ville qui est montrée, et c'est une ville qu'on connaît mal finalement. C'est la ville qui n'est pas que la ville industrielle qui montre ses prouesses techniques, c'est aussi la ville de tous les jours. Ce qui va s'inventer, appelé la street photographie, c'est prendre dehors les choses qui viennent, comme ça vient. Une merveille pour ça, mais tout ce jeu de lumière, on est déjà dans quelque chose qui bascule entre mes deux parties, mes deux dernières parties. Je re-résume, Stieglitz part d'une photo peinture, emmène vers une photo abstraite beaucoup plus pure. On a quelque chose de cette photo peinture dans le fond, dans les flous, dans la façon dont les objets disparaissent dans le ciel, dans le jeu de la lumière ici qui fait se découper un élément, dans le jeu de la lumière qui fait se découper un élément, dans le jeu de la lumière qui fait se découper un élément, de contraste. Car si vous regardez l'éclair, on a un clair là, un clair là, un clair là, sur trois plans, qui va amener à faire ressortir un objet bien noir, lui. Ça, c'est le tireur qui va nous aider à avoir des vrais noirs et des vrais gris. Il faut s'adresser au studio Déclic, ça fait longtemps que j'en ai pas parlé. Alfred Stieglitz qui va aussi à Paris faire cette photographie, ce qui fait pas mal d'allers-retours entre les deux. Et donc, il va par exemple, si le magazine dont je vais parler dans un instant s'appelle Photo Sécession, c'est qu'il participe à ce mouvement de la sécession, qui est le nom en Autriche, on va dire, de ce que fait Klimt, c'est-à-dire une sorte de méfiance vis-à-vis de la modernité, de valorisation de la modernité, de toute l'industrie qui va avec, de toute cette industrialisation, et donc de cette diffusion des images en grande quantité, de revenir à des choses plus uniques, plus personnel, plus entre guillemets signé à la main. Et ce qui est intéressant, le mot sécession veut dire ça, hein, se retirer pour regarder autrement. Il est assez compliqué en histoire de l'art, puisque on a des gens qui font des choses nouvelles, mais qui sont plus dans le goût pour la modernité, pour la nouveauté. C'est un peu des conservateurs qui vont en avant. Pas facile à ranger, puisqu'on a longtemps fait une histoire de l'art qui va en progressant. On en revient. Finalement, cette photo de Stieglitz, c'est assez intéressante si je mets de côté maintenant toute la partie témoignage qu'il y a dans toutes les photos, qui va beaucoup plaire à Roland Barthes, on y reviendra à la rentrée. C'est-à-dire que la photo raconte comment était Paris, comment était en 1894 un boulevard mouillé, comment était le macadam, tous ces éléments qu'il appelle le studium, c'est-à-dire toutes les études qu'on peut, les colonnes Maurice qui sont arrivées, les fontaines Wallace. Tout ce qui fait la modernité d'une ville, en fait, les lampadaires électriques, la circulation. Mais ce n'est pas ça qui nous intéresse, c'est aussi la façon dont il compose son image, la façon dont le premier plan mouillé va prendre énormément de place pour pouvoir jouer avec les nuances du gris. Alors je dirais un peu vite que c'est bien joué, Stieglitz. J'ai l'air toujours prétentieux quand je dis ça permet de. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, je trouve que ça réveille. La critique, et puis si vous êtes d'accord, c'est une façon d'en discuter. Je parle tout seul. Il a mis un très très grand premier plan pour valoriser son travail de matière presque abstrait, qui n'est pas finalement assez varié. Pourquoi je peux me permettre de dire ça? Voilà encore un Stieglitz, on est encore dans quelque chose qui fait penser à une peinture, peut-être une peinture. On est en 1894, 1830, l'Angélus de Millet, 1840, donc on est vraiment dans une peinture qui se réfère à. J'exagère à peine, des dessus de boîte de camembert, vraiment aussi. Voilà Stieglitz qui se balade à Venise, qui en fait des images très belles d'ailleurs. Quand il revient en Europe régulièrement, il rencontre Robert de Machy, qui est le grand pictorialiste, c'est-à-dire la photo, ce sont là maintenant quelques-unes des photos de Machy,
le représentant d'une photo qui pique dans la peinture. Dans la façon, on l'a vu il y a quelques fois, par la gomme bichromatée, par le matériau, par aussi quelque chose que Stiglitz va faire, c'est-à-dire une façon de travailler la plaque, en fait. On va, sur la plaque, faire des rayures, faire des coups de pinceau, dans la façon de poser le matériau, pour avoir une trame, une écriture qui va faire comme un bruit, on pourrait dire, comme si quand on enregistrait le son, il y avait un bruit continu. On a quelque chose qui est très, très. C'est plus que pictural, on dirait un fusain, on dirait un gros grain de papier avec du fusain passé à la main, qui fait qu'on n'a pas besoin de beaucoup d'informations pour comprendre qu'il y a une voiture qui va à toute allure et que cette espèce de flou donne une espèce d'unité aussi. Ça donnerait les photos et cinéma d'Hamilton, c'est-à-dire un filtre qui va retirer les reliefs et les précisions pour donner un effet d'ensemble, pour donner de l'unité, pour donner une espèce de beauté à cet ensemble. Mais ma remarque va vous surprendre, mais aussi, parce qu'on pourrait se demander ce que mon mot vient foutre là, mais ça va dépolitiser l'image, c'est-à-dire on ne sait pas ce que ça représente, c'est presque un prétexte en fait. C'est-à-dire que ces gens-là soient en train de se battre ou qu'ils soient en train de se balader, qu'ils soient en train de faire une course de voiture ou de la danse, qu'ils soient en train d'être des gens importants ou juste un sujet, ils ont un peu disparu en retrait. Ce qui est montré n'est pas très important. C'est la qualité du travail de Stieglitz d'aller dans ce sens-là aussi. La qualité de cette sécession qui veut revenir à un art pour l'art, mais aussi, on ne peut pas tout avoir, son défaut, entre guillemets, c'est-à-dire que ce témoignage dont je parlais, il est finalement assez neutre. Il parle assez peu de ce qu'on voit, il est assez dans la beauté et assez dans l'esthétisation du monde. Vous allez me dire, bah, c'est très bien l'esthétisation. Alors on pourrait dire que déjà, il se passe beaucoup de choses autour. Et que ignorer tout ce qui se passe autour pourrait revenir comme un intérêt supplémentaire à la photographie. J'ai pas d'idée définitive. On a un art pour l'art longtemps et on y revient assez fréquemment. J'ai encore vu Eva Jospin, qui est une artiste contemporaine qui travaille avec du carton, qui dit si l'art était politique tout le temps, ce serait ennuyeux. Ça se discute, ça se discute. Si l'art était jamais politique, il se passerait pas grand-chose non plus. Si dans ce grand débat, je pense qu'il faudra y revenir plus tard quand on parlera de l'art des propagandes, en fait, la photo va devenir un instrument de la propagande. Il a besoin d'être beau pour convaincre. Et donc, même un art pour l'art coupé de toute référence, même si c'est un art joli, il fait de la politique en faisant ça. Je pense que ça peut clore l'idée. Il rencontre donc deux machines, que voici, toujours les photographies. Il achète cette caméra portable qui s'appelle un Folmer Issuing 4-5 qui peut permettre de travailler dehors et sans trépied. Et voilà les photos de Stieglitz revenues en Europe. On est dans la fin de ma deuxième partie, il me reste 10 minutes, j'y serai tout à fait. C'est-à-dire, on est encore dans une photographie très picturale, mais c'est quand même le premier tour de force du Stieglitz, la première modernité de Stieglitz, c'est-à-dire le triple carré de format fait penser à la peinture japonaise. Vous avez compris que les photographies n'ont pas normalement ce format-là, il va le retravailler. De ce jeu avec la lumière, avec le flou, il va faire quelque chose de très esthétique, très beau, très simple. Ce qui vient de l'art japonais qui avait beaucoup piqué Van Gogh, c'est de fabriquer un cadre dans le cadre. Donc il suffit en contraste. Alors si vous devinez, pour faire court, s'il y a du brouillard, ça ne peut pas être noir comme ça l'arbre, tout est flou. On est plus près d'une vision entre guillemets réelle ici. Tout est flou. Par contre, on peut masquer au tirage pour faire ressortir un élément pour qu'il ait l'air d'être presque comme un graphisme où chaque feuille se reconnaît, chaque dessin de trait se reconnaît. Et il va à l'intérieur de l'image faire un deuxième cadre en fait. On a presque une petite image dans la grande image. À chaque fois, Stieglitz va accentuer ses cadres avec ce célèbre Flatiron. C'est un bâtiment à Chicago qui ressemble à un fer à repasser, donc il est un peu pointu. Ici, il s'agit de montrer cette architecture moderne. On est à Chicago en train d'inventer les buildings. Il fallait pour ça une fabrication industrielle métallique accélérée, mais aussi l'ascenseur. Et on est au cœur de mon histoire qui a commencé avec le tourisme. Ce développement industriel, cette richesse va être montrée en image, va être diffusée en image. Ce qui est assez drôle, c'est que finalement, ce bâtiment a l'air presque poétique. C'est le format qui accentue ça, c'est cette idée de couper le cadre par un autre élément et cette espèce de douceur que donne le contraste.
On a deux chefs-d'œuvre de cette période picturale, si je ne prends pas le mot pictorialiste, de Stieglitz. C'est cet hiver de 1800, de 1900, 1893, où notre premier plan qu'il avait tant accentué dans la rue de Paris, à mon avis, fonctionne très bien ici. On a des éléments graphiques qui feraient presque plaisir à Soulages s'il peignait pas en noir. C'est-à-dire, on dirait des traits, des traces, des roues, des carrosses, des pas. Font une espèce de rythme, comme une peinture abstraite. Cette peinture abstraite donne une grande dynamique, elle prend presque la moitié de l'image. À l'autre bout, tout devient presque flou, mais cette image est très très bien construite. On a de la bouillasse avec des rythmes de gris, mais qui font des dynamiques qui ramènent le bas de l'image vers le milieu. Un sujet central qu'on devine assez bien, qui est partagé entre trois éléments. Puisque sur ce plan-là, on a les mêmes, mais eux sont déjà un peu flous. Un troisième plan qui vient faire une belle découpe qui nous permet d'entrer dans l'image, et une qualité de flou et de nuance de gris qui est merveilleuse. Deuxième chef-d'œuvre de cette époque-là, ce terminal de 1892, où on est. Alors, c'est là le génie de Stieglitz, c'est pas, on peut conclure cette deuxième partie avec ça. C'est pictural, mais c'est pas pictorialiste. C'est-à-dire, c'est pas une copie comme de Machi, d'une petite danseuse ou d'une matière qui fait que ça ressemblerait à de la gravure. Non, non. Il profite de l'hiver et de la chaleur sur du corps des chevaux pour en faire quelque chose qui, l'image tourne, les chevaux partent vers la droite, le tram part vers la droite aussi, et l'image ici avec le personnage qui se découpe part vers la gauche. On a une torsion dans l'image. L'arrière-plan suffit à construire le cadre, et les premiers plans encore sont très graphiques, avec des contrastes assez forts. Stieglitz va s'entraîner à travailler, alors qu'on lui avait dit en Allemagne que la photosensibilité la nuit ne permettait pas de travailler, il va chercher encore. Ici, on a une image de Stieglitz qui est presque passée quand on arrive, elle est faite en 1911, et vous allez comprendre que la dernière partie, dans les 5 minutes qui viennent, fait partie d'un Stieglitz qui va laisser petit à petit cette représentation picturale, même si avec ces deux chefs-d'œuvre, il en a déjà fait quelque chose qui sort de la copie picturale pure. Voilà un autoportrait de Stieglitz où on voit qu'il travaille encore avec tous ces éléments. Ici, je trouve que cette bascule pourrait déjà se faire. C'est une photographie de Station, celui avec lequel il travaille. On a un peu le même principe, mais la netteté, la droiture de cette coupure du Flatiron pris par son copain Station, qui est aussi un petit génie, cette ligne nette est déjà l'amorce de quelque chose d'un peu abstrait. Un presque début de conclusion. En 1897, il crée une revue, j'en ai déjà parlé, Caméra Note, dans laquelle il va diffuser avec Eugène qui est en train de faire ici la photo. Il a sous la table la poire qui permet de déclencher la prise de vue, Stieglitz dont tous les éléments ramènent à voir son visage. Kuhn qui a l'air d'être surpris, et Station dont on vient de parler ici. La lumière ici, le cadre qui fait que tous les éléments ramènent vers lui, ils sont en train d'admirer le travail de Eugène lui-même. C'est-à-dire ils sont abasourdis par son talent. Stieglitz fait aussi une photo de Station en train d'être sur le pont, c'est le cas de le dire, en train d'être emporté par cette caméra qui permet d'être beaucoup plus mobile et d'aller dans la ville. À tel point que ce petit bonhomme dans la ville devient le symbole, encore un petit peu lié à l'histoire de la peinture japonaise et à cet art de nouveau dont on a parlé, par le cadre étroit et triple carré. Un petit logo et une petite peinture, finalement. Dans cette caméra note, le station qui est ici à droite va produire des choses merveilleuses, alors encore très liées à la peinture floue, on va dire. Isadora Duncan, non, Thérèse Duncan, de 1921, des portraits, puisqu'il vient en Europe, de Rodin, des essais enfin des réussites sur cette peinture pictorialiste, mais ce petit chef-d'œuvre de Rodin en train d'être découpé devant son monument à Hugo. On est en 1900. Un petit chef-d'œuvre, parce que même si on reste dans l'histoire de la peinture et du dessin avec quelque chose de flou, on est dans une image qui est quand même construite, qui sort de l'univers de la peinture de paysage que dessus de boîte de camembert, comme on l'a vu juste avant. Stieglitz va participer avec cette photo sécession à diffuser ce que je vous lisais tout à l'heure, voilà, 1904,
La photographie est en passe de donner désormais le ton au monde entier. Stieglitz fait les contrats, réunit les œuvres et se charge de les envoyer. Son influence est assurément considérable. Et la bascule vers la photo moderne et contemporaine, moderne suffira, me semble un peu dans cette image-là. On est dans le flou, mais le flou fabriqué par la vitre et son mouillé. On est dans un, non plus un trucage technique qui va vouloir copier la peinture, on est dans une recherche dans le monde réel de qu'est-ce qui pourrait ressembler à du flou. Un petit aparté, en travaillant avec Vogel, il a découvert dans la fin de 1890 que la photographie couleur pouvait se développer. Voilà, Vogel qui est un inventeur du film orthochromatique. On va retrouver ça chez Frères Lumière après. Voilà des photos de Stieglitz en couleur. De 1910, celui de sa fille Catherine, deux amis en train de jouer aux échecs. Là aussi, notre imaginaire de la photographie n'associe pas du tout 1907 avec de la photo couleur et avec aussi une couleur qui est merveilleuse, qui fait penser à des filtres Instagram, c'est-à-dire une couleur qui n'est pas statique, alors qu'on parle d'ortho couleur, ça aurait dû être bien fait. Non, pas tout à fait. Les photos de couleur de Stieglitz ont été découvertes il n'y a pas si longtemps. C'est donc par la revue, par la diffusion, et enfin, par la création d'une galerie, voilà, une deuxième revue qui s'appelle Camera Work, qui va être beaucoup plus haut de gamme, très cher, il va se ruiner à faire ça. On la retrouve dans cette collection, dans un livre, on y voit beaucoup, beaucoup de ces images qui passent de ce pictorialisme vers une photographie plus pure à laquelle je viens tout de suite. Il va créer une galerie dans laquelle il va exposer l'art moderne européen. Vous reconnaissez ici Brancusi, une expo. Personnel, des reproductions d'images. Donc la photo, elle n'est pas seulement diffusée dans des revues, c'est aussi l'art tout court qui se sert de la photo pour être reproduite. Voici la galerie Camera Work. 2800 dollars de vente la première année, la moitié sont des photos de Stieglitz. Là, on a une galerie qui diffuse l'image. On a tous les éléments qui aident au développement industriel, revues, critiques. Diffusion multiple et galerie pour vendre. Brancusi, voilà, comme on est au 291, il va appeler sa galerie 291. Il va diffuser et exposer du Rodin, du Cézanne, reproduit en noir et blanc, de l'art africain, des masques ivoiriens. Inviter Brancusi, là c'est Station qui a fait ce portrait. Et surtout, redoutable élément, tellement c'est important. Être le premier, puisque vous connaissez peut-être cette histoire, je ne pourrais pas développer trop, mais le petit monsieur Duchamp qui était venu aux États-Unis se faire connaître et devenir, pour les Américains, le symbole de l'art moderne avec le nu descendant l'escalier, va rester habiter aux États-Unis avec son copain Picabia de Chenapan, avoir l'idée d'exposer un urinoir en le signant Richard Muth dans un salon où on disait il n'y a pas de jury. Il n'y a pas de jury, ça va être refusé. C'est de cette stratégie que va naître cette idée de faire un art qui serait plus mental que juste l'image. Cette diffusion et cet article qui dit le cas de Richard Muth, puisque c'est un pseudonyme qu'a adopté Duchamp, qui a fait la photo? Alfred Stieglitz. Ce système de diffusion de Camera Work va être une façon de faire entrer la modernité dans le monde américain, de le diffuser, de faire connaître tous ces éléments, mais aussi d'y participer activement, directement. La revue 291 va éditer des poèmes de Apollinaire en 1915. Ici, la couverture est de Picabia. Ici, c'est ici Stieglitz, Foi et Amour. C'est des collages avec des machines qu'adore Picabia. Des images de sculptures d'Adélaïde Lange Roosevelt en 1915, influencée par le cubisme, un joueur de tennis qui fait un service. Des couvertures qui sont dessinées par De Zayas. Voilà, la modernité entre aux États-Unis et c'est Stieglitz qui l'a fait passer par sa galerie et par sa revue. Encore un collage de Picabia, le portrait d'une jeune fille américaine dans l'état de nudité. Le jeu avec la machinerie chez Duchamp est très influencé par Picabia. Il y a un jeu de rapport entre les deux. Et certains critiques trouvent que Duchamp a beaucoup piqué à Picabia, qui est beaucoup plus anarchiste, beaucoup plus délirant que lui, beaucoup plus. Punk, si on peut dire ça comme ça. Voilà la revue 291 qui va à la fois montrer des masques africains, l'influence de cet art abstrait et aussi un dernier élément, Paul Strand, qui est un photographe que voici, pris en photo par Stieglitz. Un photographe vraiment moderne, en ce sens qu'il s'intéresse
aux formes les plus simples, les plus cubistes, si on peut le dire ça de cette façon-là. Stieglitz va regarder la peinture cubiste, va regarder la naissance de la peinture abstraite, et vous allez comprendre, c'est pour ça que ce n'est pas très long à diffuser, comment Stieglitz, se rendant compte que cette quête de l'art pictural n'est plus la voie, va changer complètement de voie. Là, c'est Paul Strand qui va commencer à faire une peinture, une photographie presque abstraite, va influencer Rodchenko, qui va influencer toute la naissance de la photographie moderne des années 1910-1920. Ici, on est autour des années 15-20. Paul Strand, c'est une merveille de jeu de décadrage, de travail abstrait, de rythme visuel, de travail en série aussi, avec beaucoup de personnages qu'il va prendre en photo systématiquement, et de cette imagerie qui, des premiers films des années 20, on va dire, même de la peinture de Hopper jusqu'au film de science-fiction, associe New York à la modernité. Alors, à quoi ça ressemble l'impact sur Stieglitz? Ben voilà, les photos de Stieglitz. C'est-à-dire que la bascule, le contact avec cette modernité va changer complètement sa façon de travailler, changer sa façon de prendre en photo ce monde qu'il a sous ses yeux. On a vraiment un accompagnement de l'art moderne. Vous pourriez me dire, il a suivi le fil, oui. Déjà, il faut le faire. Il faut être là au bon moment, au bon endroit. Il faut être capable de remettre en cause tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a diffusé. Et faut, et c'est là le cœur du propos du jour, j'ai parlé de tourisme et de diffusion des images en grande quantité, il faut penser ce monde de diffusion. Galerie, revue, critique. Toujours des photos de Stieglitz, des merveilles d'ailleurs. C'est ce qui fait que on pourrait préférer le Stieglitz moderne au Stieglitz pictural. Et puis on pourrait être émerveillé par quelqu'un qui est capable de faire les deux à la fois. Et dans certaines images plus tardives, de réunir presque ce goût de la matière et de l'effet de lumière avec cette construction de premier plan et d'arrière-plan, avec presque pas de deuxième plan. Ce jeu de hors-champ avec des éléments qui sortent de tous les côtés de la page. Il y a toujours quelque chose qui sort en haut, en bas, sur le côté. Et ce hors-champ ajoute à la densité de l'image. En fait, on a l'air d'être trop près pour la voir. Et c'est ce hors-champ qui aussi donne à l'image quelque chose à raconter autour. Et on a tout un masque sur le bas qui fait presque comme un gros découpage, mais à l'intérieur, il y a un tout petit bonhomme qui dit quelque chose. On a une grosse ombre à la Batman, mais à l'intérieur, il y a un petit bonhomme qui fait coucou. Ces images de Stieglitz, on les retrouve dans sa rencontre en 1918 avec Georgia O'Keeffe, qui est une peintre importante, elle peint ce genre d'image, voilà des crânes, des fleurs, en zoomant énormément pour que ça devienne presque abstraite. La voici en photo. C'est pas un petit détail, c'est très amusant, mais être celle qui va inciter Yayoi Kusama, la japonaise qui fait des pois partout, à venir aux États-Unis dans les années 60. Ils vont faire un couple très fusionnel et en même temps qui se dispute beaucoup. Et surtout, Georgia O'Keeffe va être la modèle de Stieglitz. Dans une série d'images qui, elle aussi, sort de la modernité, enfin est à fond dans la modernité, dans le jeu de cadrage, dans le jeu de simplicité de l'image. Il y a de moins en moins de détails, de moins en moins d'éléments du corps qui permettraient de se repérer. Et il est sorti de sa période Art Nouveau complètement pour faire quelque chose de très très fort dans la simplicité. On voit l'influence de Paul Strand. Tout devient abstrait, c'est-à-dire qu'il y a peu d'éléments pour reconnaître. C'est le visage presque seulement qui a l'air de ressortir. Mais cette forme ici de l'ovale du visage accentué par les cheveux se retrouve dans l'ovale du coquillage dans le fond, coquillage, et dans l'ovale du creux de son décolleté. Quelque chose de très fort dans la façon de mettre en avant la présence et surtout de sortir. Vous voyez, sa poitrine est coupée. Hein, on n'est plus dans le petit nu à la Demachy où on regarde les petites fesses des petites dames. Là, on a une présence forte du corps. Qui s'arrête juste avant qu'on voit l'ensemble de la poitrine. Et cette présence-là, elle donne une force à la photo. Le cadrage est différent, la simplicité de l'image est différente, le fait de ne prendre qu'un élément devient différent. Un jeu sur les mains et sur des recherches formelles avec les mains de Georgia O'Keeffe, qui fait que la dernière partie de l'œuvre de Stieglitz, c'est une petite merveille de recherche quasi abstraite. On peut dire quasi abstraite parce que la rencontre de la modernité, c'est ce détail, ce fragment, sur une roue de voiture industrielle. On a du mal encore à savoir quel est le meilleur tirage.
Le travail sur les mains de Georgia O'Keeffe me font dire que celui-ci pourrait être considéré aussi comme un petit chef-d'œuvre, comme un portrait beaucoup plus complexe par ce jeu de mains. On avait vu Nadar qui intervenait avec les mains, 1890, on est en 1920, on est entré dans une image beaucoup plus formelle, où les détails vont intervenir comme des formes et où les éléments de décoration, d'ornement sont de moins en moins intéressants. On verra plus tard le travail qui fait l'admiration de Stieglitz, c'est celui d'Edward Weston, mais avant, Stieglitz, dans la dernière partie de sa vie, va faire des nuages. Le critique Gautier dit que pendant 10 ans, les premières photos intentionnellement abstraites de l'histoire de la photographie, des nuages, des formes pures, qui font que, et si vous en souvenez, Muybridge, qui avait représenté la décomposition du mouvement avec des chevaux en train de marcher, s'était intéressé au flux de la fumée avec des clous plantés et puis avec une souffleuse à fumée. Ici, ce n'est plus une étude technique, même si elle pourrait être liée, c'est une recherche formelle sur les capacités graphiques de l'image et sur les capacités d'une image quand elle ne raconte plus une anecdote, d'être intéressante quand même. C'est ça l'enjeu de l'abstraction. Est-ce qu'on peut faire quelque chose qui est intéressant à regarder par les différences d'écriture? Il y a des endroits, ça fait. D'autres endroits, ça fait. Voilà, est-ce que en décadrant ça, en faisant que l'élément important est dans le bas et que le haut se dissout, que les éléments de vertèbre sur le côté redonnent de l'énergie à l'image, qu'ici on a quelque chose qu'on a du mal à lire directement, est-ce que ça, ce rythme visuel peut suffire à donner une image intéressante? Edward Weston, c'est ça. C'est la naissance d'une photographie abstraite et d'un corps vrillé dans un poivron. Un vrai chef-d'œuvre qu'on retrouvera par ailleurs encore Edward Weston, et un petit chou pour vous donner faim. Voilà les images d'aujourd'hui. Merci le studio Déclic. On se retrouve à des petites questions début juillet. Je vous laisse capturer. J'ai tout dit, j'ai débordé un petit peu. Le sépia adoucit et réduit les contrastes. Ah ben voilà, monsieur Nassib Traboulsi. En effet, avec l'image dont je parlais tout à l'heure. Exposition le 25 juin, c'est le plus proche de nous pour aller au studio Déclic. Pas de vernissage, mais on peut regarder depuis l'extérieur, puis on peut entrer dedans hein, avec un petit masque. Hologramme, merci, c'est ce que je cherchais en relief. Chez William Englund, les personnages et les éléments techniques prennent la pose comme des modèles dans l'atelier du photographe. C'était tout à fait vrai. C'est très, très construit. Ce n'est pas du tout une image. Vous avez raison qu'il y a des passerelles. J'ai dit que Stieglitz avait exposé avec Munch et avec Lautrec dans les expos de la Sécession. Bravo Franck, encore du grand art, ben, au mois prochain. Merci tout le monde et à bientôt. Merci de nous soutenir et bienvenue au studio Déclic.